aujourd'hui la team 2.0, nouvelle survie hardcore Minecraft. Ce qui veut dire, écoutez, qu'on est parti pour crafter les premiers outils. Et ça, c'est quelque chose d'émouvant sur une survie Minecraft. Parce qu'écoutez, on n'a jamais de première fois dans la vie. Si seigneur que c'est vrai ça. Du coup, profitons-en, pas de surmontage ou quoi que ce soit. Pac, on pose la table de craft. Et surtout, on va se crafter, eh bien ma foi, les premiers outils de cette aventure. Voilà qui est fabuleux, je dirais même fabuleux, bulleux, bulleux. Mais bref, là, trêve de blablatage, parce qu'écoutez, sur ce premier épisode, eh ben on va avoir énormément de boulot, parce qu'il y a eu énormément de mises à jour sur cette 1.20. Et vous le savez sans doute, ça fait un gros moment que j'ai pas joué à Minecraft, donc la 1.19, j'y connais pas grand chose, et la 1.18, je crois, je sais même pas si j'y ai joué en fait. Donc autant dire qu'aujourd'hui, eh ben je crois que je joue à un nouveau jeu. Eh oui, Jamy. Mais bon, crafter des outils en pierre, ça, je me souviens encore comment on fait, ce qui est une très très bonne nouvelle pour la suite de l'aventure, parce que, ouais, on est en hardcore, et j'espère ne pas avoir perdu l'entièreté de mes réflexes. Mais bon, au moins je me souviens des B.A.B.A. La première chose à faire sur un monde hardcore, dès qu'on croise de la canne à sucre, hop, on la récupère. Et vous voyez les petites vaches là-bas? Je vais les déglinguer. Et oh, j'ai bien fait, regardez ça! Est-ce qu'on n'aurait pas trouvé la première ruine? Eh bah si, bien sûr que si. Et d'ailleurs, toi mon pote, dans mon inventaire. Tu croyais quand même pas que t'allais t'échapper aussi facilement. Oh, et je suis tellement content. Eh, ça m'a fait du bien de prendre autant de temps de pause sur Minecraft, parce que regardez, il y a une petite tortue ici. Et je suis déjà tellement content de l'avoir. C'est impressionnant, je kiffe ça. Mais bon, on va pas passer tout notre temps à parler de Franck là, parce que, messieurs dames, j'ai un bateau à faire, moi. Voilà qui est parfait, et je vais très modestement l'appeler le Titanic. Et toi, la structure là, eh, la vérité, t'as intérêt à être pleine de trésors, parce que sinon... Bah sinon rien en fait, hein. Je vais pleurer et puis je vais continuer à jouer. Poup, 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 poup. Est-ce que j'ai failli me cramer? Bah bien sûr que oui. Allez hop, on récupère le coffre. Il y a rien d'intéressant à l'intérieur, hein. Ouais, c'est des choses qui arrivent. Mais qui ne devrait pas, si vous voulez, mon avis. Eh bref, du coup, moi, je me suis un petit peu renseigné sur la mise à jour, parce qu'écoutez, bah, il le faut, hein, de temps en temps. Et j'ai vu qu'ils avaient ajouté l'archéologie, un nouveau biome, des nouveaux mobs, et vous savez quoi? Eh ben, on va tenter de trouver ça. Mais avant ça, toi, Jacqueline, tu crèves. Viens ici, Jacotte. Alors, c'est comment? On veut pas nourrir son patron? Viens ici. Oh là là, oh, je suis devenu mauvais. Mais écoutez, c'est des choses qui arrivent. Allez hop, ça c'est dans la petite poche à Johnny. Les œufs, bah c'est pareil. Deux, même trois, et toi tu crèves. Voilà, parfait. Parce que les plumes, on en aura sans doute besoin dans un prochain épisode. Mais avant ça, écoutez, je crois que je blablate beaucoup trop parce que... Eh, le soleil est déjà en train de se coucher et on n'a toujours pas trouvé de village, on n'a toujours pas trouvé de moutons, ce qui veut dire que le premier jour, je vais sans doute le passer sans lit. Et ça, c'est une très très mauvaise nouvelle. Mais bon, on va pas se laisser abattre là, parce que bah sinon on doit recommencer l'aventure et ça, ce serait vraiment bête. Et écoutez, on va partir un petit peu à l'exploration et surtout, est-ce qu'on tenterait pas de se faire un petit four? Bah si. Du coup, hop, on descend ici. Oh là là! Premier morceau de charbon de l'aventure. Alors ça, écoutez, ça va permettre de se faire cuire un bon 280 patronesque. Ou un Big Mac, ça dépend. Moi, je suis type Big Mac. Je sais pas ce que vous aimez, vous. Mais moi, j'apprécie ça. Voilà, nickel. Hop, tout ça dans les petites poches à tonton. Si, seigneur. Et d'ailleurs, on va pas oublier de se faire quelques petites torchinettes. Parce que sinon, ça va spawner. Et je vais me faire grignoter le fessier. Et ça, c'est pas du tout quelque chose qui est appréciable. Bien sûr que non. Est-ce que je ressemble à un jambon, moi? Mais pas du tout! Du coup, il faut torcher. Donc c'est ce qu'on fait, nous torchons. Et j'en profite même pour me récupérer un petit peu de pierre. 17 de stone. Ce qui veut dire que normalement, si je ne suis pas trop bête, on peut faire deux fours et il me restera même un de stone pour faire une pelle. Ça sert à rien, mais c'est moi qui joue, donc c'est moi qui décide. Et d'ailleurs, autre truc que j'ai décidé, c'est que vous allez mettre un petit like et que vous allez vous abonner à cette chaîne YouTube. Ouais, je fais un petit peu le forceur là, mais écoutez, ça aide énormément. Oh non. Hop, 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 hop. Alors là, on est à 30 secondes de jeu là, et je suis déjà en grave, grave difficulté. Moutons, allez, s'il vous plaît, les moutons. Les moutes-moutes. Oh, quelle catastrophe. Réfléchis, Johnny. Réfléchis, mon Johnny. Est-ce que je passe 20 minutes dans cette crevasse ou est-ce que je tente de chercher un village? Oh, écoutez, on va faire le fou. Déjà, il me faut du bois. Voilà, nickel. Normalement, du bois, on en a ici. Et please, s'il vous plaît, un moutmout. Un petit mouton, un petit kebab. Kikikiki. Petit kebab, viens voir tonton. Oui, mon ami, tu es où? J'ai besoin de toi. Je te promets une chose, mouton. Si tu sacrifies 3 de tes frères avant que je meure épisode 1, je promets de construire un sanctuaire en l'honneur des moutons. Oh, merci, Saint-Dieu des kebabs et des moutons. Tu m'as entendu? Hop.
Voilà qui est parfait. Ah, seulement deux, non. Dieu des moutons, tu n'es pas avec moi. S'il vous plaît, dieu des moutons. Oh non, des skeusque. Oh, ils peuvent ruiner l'aventure en deux secondes. Oh, mouton, 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 mouton. Oui, voilà. Je m'en vais, adieu. Oh, j'ai l'aggro. Cours, mon Johnny, cours. On va se planquer dans notre... Oh, pop, pourquoi il a explosé, l'autre? Est-ce qu'il aurait pas fait apparaître un petit disque? Écoutez, j'en sais rien. On rentre à la maison. D'ailleurs, elle est où, ma maison? Elle est où? Ah, oh, je crois qu'elle est là. Oh, please, faites que ce soit ça. Oui, c'est mon trou, regardez ça. Lumière et table de craft. Allez, on va tenter de récupérer la table de craft. Voilà qui est parfait, ça c'est à moi. Et hop, on part s'enfermer comme des vieilles victimes à l'intérieur de ce petit trou pourri. Voilà, hop, on met la lumière. Hop, on ferme. Et... Fouh, c'est étendu. Vous entendez ces vieux squelettes là juste en haut? Oh mon dieu. Mais c'est pas bien grave parce que Pâques, on peut passer la nuit. Tendu. Et vous savez quoi? C'est ça qui est bon. Et petit truc que je pense, c'est que on est en 1.20, on est en 1.20. Il y a des nouveaux biomes à trouver, des nouveaux trucs à faire, etc. Mais on va pas faire comme tous les autres youtubeurs, la faire... Oh là là, quel miracle! Est-ce que j'aurais pas directement trouvé un biome chéri? Oh, comme le hasard fait bien les choses. Non, ici pas de ça, messieurs dames. Ici, on le trouvera de manière naturelle. Notre première base, elle ressemblera à ça. D'ailleurs, hop, ce sera même notre miniature, messieurs dames. À un moment, faut arrêter les bêtises, hein. Des miniatures à 70 balles, je sais pas quoi, hop, ça, messieurs dames, je vous annonce, ça, c'est la miniature, voilà. Y a pas de cachette ici. On fait tout à la main, messieurs dames. On est des youtubeurs à l'ancienne, nous. Bon, on va faire un truc de vieux, là. Hop. Regardez ça, cette belle émotion, messieurs dames. Pâques, posage de porte. C'est un fail. Mais écoutez, on aime ça. D'ailleurs, l'entrée, elle est où? Ah ouais, ouais, l'entrée, elle est là. Très bien. Bon, on va faire comme si on n'avait rien vu, hein. Bon, la base, elle est pas très bien agencée, mais frère, c'est bon. Faites pas les acteurs, là, c'est un début de série. Je peux pas être full diamant en 30 secondes, là. On va avoir nos diamants ici à la force de nos biceps, comme des bonhommes. Et d'ailleurs, je suis quelqu'un qui tient parole. Et d'ailleurs, là, je suis en train d'y penser. J'ai fait une promesse au roi des moutons, messieurs dames. Et on n'aimerait pas que le dieu des moutons se retourne contre moi. Non, mon ami, non. Du coup, truc qu'on va se faire, là, instantanément. Nouvelle pickaxe en pierre. Voilà qui est parfait. Celle-là, on la garde. Elle est collector. Ça aussi, on garde ses collectors. Ça, on craft un petit lingot. Voilà qui est parfait. On va faire une pelle. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime pelleter. En fait, c'est totalement faux, mais vas-y, venez, on fait comme si c'était vrai. Bref, souvenez-vous, il y a quelques instants, j'ai fait une promesse au dieu des moutons. Et est-ce qu'on a envie de se faire moutonner, nous? Ben, pas vraiment. Ce qui veut dire que ces trois moutons-là vont être graciés par Johnny. Et pour vous prouver que c'est vrai, hop, ça c'est pour toi, ça c'est pour toi, et ça c'est pour toi. Régalez-vous, mes mignons. C'est une blague. Comment ça, tu veux pas manger mon mouton, idiot, va? Alors, c'est du respect, ça, mon garçon? Bien sûr que non. Et toi, tu acceptes mon offrande? C'est bien. Bon garçon, je vais t'appeler... Jackie! Jackie, tu vas dans le trou, Jackie. Voilà, ça c'est un bon Jackie. Jackie, viens ici. Arrête de faire l'enfant, Jackie. Jackie! Oh! Jackie! Non! Il était comme un frère pour moi. On avait vécu tellement de choses ensemble. Repose en paix, mon pote. On se souviendra de toi pour toujours, Jackie. On t'aimait, Jackie, sur cette chaîne YouTube. On t'aimait. Je te fais une promesse, Jackie. Un jour, ici, se tiendra le paradis de Jackie. Mais avant ça, Jackie, fais-moi un signe. Réincarne-toi, mon Jackie. Jackie ? Oh ! Comme ça me fait plaisir de te revoir, mon Jackie ! Tais-toi, Jackie, tu me fatigues. Allez, t'as assez fait la star, frère. Rentre dans le trou, je t'ai dit. Voilà, ça c'est un bon Jackie. Pas bouger, Jackie, je reviens plus tard. D'ailleurs, c'est un dieu des moutons. Ferme les yeux, frère. Je vais faire un truc pas cool. Mais au moins, c'est un dieu des moutons. Ça va m'aider à passer la nuit. Parce que, ouais, depuis tout à l'heure, je fais quand même pas mal de conneries. Et on n'avance pas beaucoup sur cette survie. Non. Mais bref, c'est pas le principal. Le principal, c'est qu'on s'amuse bien. Enfin, du moins, j'espère. Bref, on pose le lit et Jackie... Mon pote, on va passer notre première nuit ensemble. T'as faim? Tiens, frère. Bon appétit. Moi, je me tire. J'ai des choses à faire. Parce que, ouais, si on veut un tout petit peu avancer dans cette aventure, il va falloir que je trouve un village. Parce que le saint paradis des moutons, il va pas se construire tout seul. Non. Oh, j'ai pris tarot. Clairement, on va pas se cacher que là, je joue un petit peu trop chillax. Comme si on était sur une aventure normale. Alors que on est sur une aventure hardcore. Et toi, tu me coupes pas la parole pendant que je parle.
Voilà, nickel, ça t'apprendra. Et toi, j'avoue que... Bah, je t'ai tué juste par pur plaisir. Mais aussi parce que j'ai besoin de ton cuir. Qu'est-ce que j'aime quand les choses se passent bien. Regardez ça. Premier village de l'aventure. Bon, j'avoue, c'est pas exactement ce que je cherchais pour un début d'aventure, mais vous savez quoi, on va s'en contenter. Parce que on aime les choses simples ici. Du coup, vous savez quoi, hop, fouillage de village et... je crois qu'il y a rien. Oh si, un golem. Toi, frérot, viens ici. Et s'il te plaît, me fume pas, sois sage. Oh, non, 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 de la poudreuse. Oh, frère, non. Oh, wow. Viens ici, toi. Tu m'as foutu la trouille de ma vie. Viens ici. Allez, dépêche-toi. Viens prendre ta calotte. Alors, qu'est-ce que tu fais? Bah, rien du tout, idiot. C'est exactement ce que je pensais. Le seul truc que tu fais, c'est me donner ton fer. Bon, seulement 4. Oh non, non. Mais c'est pas vrai. Je savais que j'aurais besoin d'une pelle. Oh. Alors, l'exploration de ce village, elle va pas être de tout repos. On va pas se le cacher, là. Je flipouille un peu. Oh non, c'était sûr que c'était de la poudreuse, frère. Je suis pas politicien, moi. La poudreuse, j'aime pas ça, bien sûr que non. Par contre, en tant que Minecraftien, moi, ce que j'aime... Voilà, nickel. C'est les coffres bien pleins. Par contre, les gars, elles sont où les bottes de foin, là, qui étaient censées carry les 40 premiers jours de mon aventure? Hein? Oh, Pedro, je te parle. Elles sont où, les bottes de foin? Espèce d'insolent, va. Espèce d'insolent que tu es. Dis-moi tout de suite où sont les bottes de foin. Oups. T'as vu, toi? Non, c'est bien. Oh, bah écoutez, les voilà, les bottes de foin. Oh, yeah, bottes de foin. Allez, hop, on récupère ça et... Écoutez, juste après ça, eh ben, je pense qu'on va rentrer à la maison. Parce que clairement, écoutez, bah, ce village, il est un petit peu claqué au sol. Hein. On va pas se le cacher, il est surtout sacrément dangereux. Oh non, 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 non. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Juste en dessous, il y a une cavité de l'enfer. Oh non. Je suis en train de me geler les enderperles. Oh non, zombie. Oh, hop, 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 hop. Allez, Johnny, arrête de paniquer. Oh frérot, oh frérot, oh frérot, non. Oh. Phil. Dépêche-toi! S'il vous plaît, s'il vous plaît! Minecraft! Minecraft, Minecraft, Minecraft! Pas maintenant, pas maintenant, pas après tout ce qu'on a fait! Il y a Jackie qui m'attend à la maison! Voilà, on va torcher ici, voilà, gentiment mais sûrement. On récupère de la cobble, voilà, et on va faire un bel escalier. Voilà, si seigneur que c'est vrai ça. Et maintenant, on rentre à la maison et je veux plus jamais entendre parler de cet endroit de malheur. Non, monsieur! Oh non, c'est trop là. C'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop, frère. Récolte de bois. Craftage de la 50e table de craft de l'aventure. Et du coup, craftage de la première iron pickaxe de l'aventure. Mais surtout, premier morceau de pain de l'aventure. Alors ça, fou, ça, ça fait plaisir, mon ami. Parce que ça, ça veut dire une chose. Ça veut dire qu'on peut régénérer, retourner voir Jackie. Et surtout, apprivoiser des magnifiques petits moutons. Mais tais-toi, toi, tu me fatigues, alors. N'est pas Jackie qui veut, les gars. Ça, c'est certain que oui. D'ailleurs, là, est-ce que je suis stupide ou complètement con? Parce que, ouais, je cherchais un village pour avoir du blé. Blé qui m'aurait servi à ramener des moutons à la maison. Ah, j'en peux plus de moi, j'en peux plus. Mais bon, c'est pas bien grave, parce que juste ici, eh ben écoutez, pack, premier morceau de blé. Et on va même piller un petit peu tout ça. Qu'est-ce que vous faites, vous, les gars? C'est sacrément chelou, les gars, on va rien dire, hop. Voilà, nickel, hop, je vous libère. Et moi, faut que je me dépêche de retrouver Jackie. Parce que le pauvre, il est dans son trou, tout noir, tout seul. Sincèrement, ça doit être très très compliqué pour lui. Du coup, écoutez, j'espère que ça, c'est le chemin de la maison. Parce que, bah, sinon, Jackie va rester dans son trou pour l'éternité. Frérot, t'es caché où? Oh là 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 là, par contre, il y a du monde. Oh. Cours, mon tabarnouche. Oh, un arbre que j'ai pété. C'est bon, je sais où je suis. Oh non, non, non. Pour le Gondor. Oh non, non, y'a rien du tout pour le Gondor, frère. Je suis en train de me faire éclataxe. Voilà, nickel. Hop, bonne nuit. Et maintenant, brûlez, créature des enfers. C'est votre punition divine pour avoir osé m'approcher. Alors, t'es comme une saucisse blanche au barbecue? Toute brûlée? Bah ça, c'est vachement triste. Et bref. Maintenant, il va être l'heure de ramener Jackie à la maison. Et je peux vous assurer que je pense que ça va être très très long. Mais bon, c'est pas bien grave, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour Jackie, messieurs dames? Allez, petit Jackie! Oh, oh non, 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 on ne saura plus jamais qui est Jackie! File de là, toi! Alors, idiot, va, il ne peut y avoir qu'un seul Jackie! Bien sûr que oui, allez, viens ici d'ailleurs. Par contre, mon Jaco à la maison, ça va être compliqué, je sais pas du tout où elle est. Viens ici, idiot, va, viens là, allez, viens. Voilà, parfait. Oh Jackie!
Si tu le regardes dans les yeux, t'es mort, Jackie. Voilà, c'est un bon Jackie. Vas-y, regarde le sol, frère. Regarde le sol, je t'ai dit. Mais il est idiot, ce Jackie. Non, mais viens ici, c'était une blague, viens. C'est pas parce qu'il y a des gens qui te regardent et qui te préfèrent à moi qu'il faut faire le malin. Allez, viens, dépêche-toi. Encore 20 blocs et on y est. Oh, tabarnak, ça m'a pris 15 minutes à le ramener ici. Viens ici. Viens, regarde, il y a une piscine, Jackie. Viens, viens. Jackie. Viens, je te fais une piscine. Tu vas voir comme la piscine, elle est belle. Une piscine tout pour toi, Jackie. Eh, hey, j'avais pas menti en disant que je créais un paradis pour moutons. Regardez ça. Viens, idiot que tu es, viens. Eh, hey, descends. Voilà, alors. Il est descendu de lui-même, je l'ai même pas forcé. Tiens, mon pote, tu dois avoir faim, on a fait du chemin. Bref, moi, je vais me rentrer à la maison. Parce que, ouais, on a ramené notre mouton à la maison. Ce qui veut dire, eh ben, que je vais officiellement pouvoir commencer cette aventure. Tim, parce que, ouais, j'estime que mon pacte avec le dieu du mouton, ben, il a été rempli. J'ai gracié Jackie. Il a un parc aquatique pour lui tout seul, avec toboggan intégré. Alors là, sincèrement, je sais pas ce qu'il veut de plus. Mais bon, là, écoutez, trêve de blablatage, il est temps de jouer ce pourquoi Minecraft a été fait, c'est-à-dire miner. Parce que ouais, dans Minecraft, il y a mine, ok? C'est pas une coïncidence. Enfin, du moins, je le pense. Oh, et messieurs dames, j'ai entendu un petit zombie par là. Ce qui veut dire qu'on a notre première cavité. Alors ça, je suis tellement hype. Oh yeah! Oh, les oreilles du patron, elles trompent toujours pas, hein? Quand j'entends quelque chose, je l'entends. D'ailleurs, en parlant de ça, où est-ce qu'il est passé, ce petit idiot-là? Wesh, le zombard, t'es où, frère? Tu me fais pas un prank, hein? Tu me fais pas un prank pour poste bleu, hein? Non, tu n'oserais pas. Oh, j'entends un squelette. Petit, qui, t'es où, frère? T'es pas là, hein? Donne le fer, par contre. Oh non, une cavité aquatique. Oh oui, du fer. Bien, oh là là. Oh, et c'est un filon. Ça, c'est bon, ça. Combien? Et 7 de fer. Est-ce qu'on va faire les fous et explorer cette cavité? Oh. Aïe, 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 écoutez. Eh, ça, je sais pas. Je sais pas si on est clairement armé pour ça, hein. On va récupérer un cluster ici, voilà, qui est parfait. Et clairement, je me fais un peu pipi dessus. Mais c'est pas bien grave, ça vaut le coup. Oh, parce que ouais, regardez ça, 14 d'iron. Oh yes, ça c'est bon ça. Oh, oh ouais, ça c'est cool ça. Ça c'est même carrément extraordinaire si vous voulez mon avis, regardez ça. On a une cavité aquatique avec du fer partout. Alors ça, c'est clairement très très bien. Mais bon, ça, on se réservera ça pour une autre fois. Parce que là pour le moment, on va remonter et on va se faire cuire l'intégralité de ce fer. Mais bon, là pour le moment, on va pas trop explorer cet endroit là. Parce que, eh ben écoutez, j'ai plus de torches. Ce qui veut dire que vous n'allez plus rien avoir, squelette. Allez, allez, ça, ça veut dire Johnny, tu te casses frérot, t'as pris assez de trucs. T'as de quoi mettre la famille à l'abri, hop. Voilà, on remonte, on a mis la daronne à l'abri, là, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je me tire, merci, c'est gentil. Par contre, on va pas être trop feignant, là. Petit truc qu'on va se faire, c'est qu'on va se faire des escaliers. Voilà, nickel. Comme ça, on va pouvoir remonter beaucoup plus vite. Parce que c'est d'ici que vont partir toutes mes explorations dans le futur, je pense. C'est même pas je pense, c'est j'en suis sûr. Et j'avais clairement oublié à quel point c'était chiant de placer des escaliers dans une mine. Oh, par pitié, Minecraft. C'est pourtant clair que j'ai pas envie de placer un escalier comme ça, frère. Alors, je peux même pas passer. Ah si. Bon, vas-y, je vais couper ça au montage. Non, j'en peux plus. Du coup, faisons un petit point. Normalement, voilà, la bouffe a terminé de cuire. Ce qui veut dire que, hop, on va mettre du fer à cuire. Et voyons voir que raconte Jackie. Jackie ! Oh, 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 oh ! Regardez-le s'amuser. Est-ce que c'est pas la définition d'un Jackie qui s'amuse ? Regardez ça. Est-ce que c'est pas magnifique de voir ça ? Est-ce qu'il a pas l'air d'être le mouton le plus heureux du monde ? Bah, j'ai envie de dire si. C'est la raison pour laquelle je déclare cet endroit paradis pour moutons. Mais bon, vous savez quoi ? Avant ça, hop, on termine l'aménagement parce que j'en ai marre de faire du jump et surtout, je suis vraiment pas bon là-dedans. Et... ouais, je me sers de ma pickaxe alors que j'ai une pelle. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Bah rien, vous allez mettre un petit like et vous abonner ? Bah oui, bien sûr. Est-ce que je suis pas le plus gros forceur du monde? Un peu. Mais bon là, trêve de blablatage, parce qu'écoutez... eh bien, là maintenant, tout de suite, on vit un moment important de cette survie. Parce que regardez ça, paca. Et du coup, messieurs dames, c'est sur ce presque full fer que je vous abandonne. On se dit à demain pour un nouvel épisode de la survie hardcore. C'était John. N'oubliez pas que je vous kiffe. Peace.